Salut ou re-salut, on se retrouve ensemble pour découvrir la démo d'un futur nouveau jeu qui sortira au mois de mars. Ça s'appelle Outriders, on va découvrir ça sur PC. Today, we shall see victory! A great new altered fights at our side! The anomaly should have killed us, but instead, it left us something more. Altered and Outrider. Only we can lead them to a future. Whatever we were before, we're something new now. We were given a second life. We can't waste it. Quand on lance la démo, le choix déjà, du sexe de notre personnage, on va personnaliser. Son visage, alors de manière très, enfin, je vais pas dire grossière, mais vous avez un choix qui est. Un petit peu les autres, ça fait très Horizon où est mort dans Assassin's Creed, mais c'était Horizon qui avait initié clairement ces deux cheveux. Alors si je vous fais le combo comme ça, méchant, mais je vais là. Ouais, ça j'ai mis un choix. Ah, par contre, là il y a le choix. Là c'est pas des tatouages, hein, c'est plutôt des griffes. Qu'est-ce qu'on nous dit? La démo comprend tout le chapitre d'intro du jeu, toute progression acquise dans la démo sera transférée vers le jeu complet à sa sortie. Ça c'est très bien, c'est très. Je crois que j'ai jamais vu un truc comme ça. Vous pourrez effectuer diverses quêtes secondaires, explorer des zones annexes, ça c'est assez clair. Si vous découvrez toutes les mécaniques du début du jeu, bien que certains systèmes tels que la fabrication ne se développeront qu'une fois sorti de la zone de la démo, le coop sera disponible une fois la classe choisie, classique. Consultez l'onglet d'information pour en savoir plus sur le multi et le crossplay. Le jeu est crossplay, on pourra jouer avec des copains sur d'autres supports, ça c'est sympa aussi. Enfin, une seule philosophie, l'agression. Vous êtes une arme biologique, jouée comme telle, tuée pour vous soigner. Commence bien, la Terre était morte, nous l'avions détruite, deux vaisseaux étaient censés nous transporter à travers les étoiles, je vous fais la lecture hein, comme il n'y a pas de voix off, un seul vaisseau a réussi, il ne reste que nous. Après un voyage de 83 ans, nous gravitons enfin autour de notre nouveau foyer. La planète Enoch. Dernière chance de l'humanité.
Capsule 1, QG Flores, autorisé à engager la descente vers la surface. Reçu, désengagement. Allumage des propulseurs auxiliaires. QG, nous pénétrons l'atmosphère dans 20 secondes. Initié allumage, rotation et freinage. Premier allumage, moteur à 30%, rotation. Nous entrons moteur en premier, altitude 6 km en chute libre. Capsule 1, nous captons des interférences passées en antenne directionnelle. QG, confirmez force du signal. Tout a l'air excellent, capsule 1. Procédez à l'atterrissage. Très visuellement, c'est bien. Extinction des moteurs, capsule 1 a atterri. C'est énorme hein, par rapport à la taille de nos... Presque comme à la maison. Ouais, c'est ce qui m'inquiète. Alors, boss, on est prêt? T'as mon camion? Taille des bordels. Des snipers à 3 et 6 heures, plusieurs défenses et une base d'opération établie dans l'heure. Au boulot! Gutman, venez ici. Vous connaissez bien les enjeux. Le Flores est déjà à moitié démonté et notre moteur part alimenter une ville d'un demi-million. Si ces abrutis d'Outriders touchent le gros lot, vous venez me voir en premier. Je suis là pour m'assurer que les procédures sont respectées. On n'est plus sur Terre, Shira. Les procédures, c'est démodé. Écoutez, Outriders. Je sais ce que vous vous dites. La maison, c'est fini. Et personne ne sait ce qui nous attend là-dehors. Mais le CIA n'approuvera pas l'atterrissage. Alors au boulot! QG de l'OCA à Outrider Alpha, vous m'entendez? Ici l'OCA. Saleté de parasite, le radar est aveugle. Impossible de localiser les sondes. Négatif que j'ai. Tous nos systèmes fonctionnent. Sans moi, je t'avais encore plus loin. Attends, je sais, je peux plus faire. L'homme dans toute sa splendeur, il déglingue tout. Oh bestiole. Hein. Je pars en reconnaissance à pied. Faut que je me dégourdisse les jambes. Je passe devant. Faudrait pas vous faire bouffer le premier jour. Relax, Outrider. Je dois rien. Je ne serai pas là sans vous. Je serai à la maison sous un tas de cendres. Ok. En avant. Ouvre l'œil, tu prends l'arrière. Wilkette, l'arrivée. Ok, avec la touche tab, on a notre objectif. Est-ce que... Non, on peut pas viser, on peut pas tirer. Tu sens cet air un peu? On peut pas courir non plus. J'arrive même à transformer un air qui sent autre chose qu'un carburateur fumant. L'air sur Terre ne me dérangeait pas. Je m'étais habitué. On s'habitue très bien à l'air frais aussi, crois-moi. Le truc, c'est que aucun de nous n'aurait dû quitter la Terre. Culpabilité du survivant. Tu crois que les autres ne le ressentent pas? Pas seulement ça. Si le moteur du Caravelle n'avait pas explosé sur Terre et tué la plupart des vrais Outriders, il n'y aurait pas de mercenaires ici à leur place. Tu fais partie du groupe parce que tu ne recules devant rien. Alors la pause n'est pas active. Hein. Si je fais pause, le jeu continue. Je voulais vérifier que tous les paramètres étaient bien. Alors malheureusement, comme beaucoup de jeux aujourd'hui, les jeux se lancent. On peut pas aller dans les options. C'est un truc qui est assez... C'est assez agaçant, surtout quand on a des jeux qui se lancent dans des résolutions ou des modes fenêtres un peu zarbi. C'est vraiment un truc que moi j'aimerais que les développeurs arrêtent. Laissez-nous nous paramétrer notre jeu avant de lancer dans l'aventure. On va camper ici, Outrider, mets un drapeau balise. Le QG saura que l'endroit est sûr. Marquer l'emplacement. Et la bestiole, là on en fait quoi? Non, c'est...
C'est chez nous. Ok tout le monde, on a du pain sur la planche. Kusberg, Skarstedt, établissez un périmètre. Je veux voir les premières fortifications dans l'heure. Jacob, tu vas tester les munitions. Gutmann, active ton scanner rapidement. Qu'on mette la main sur ces sondes. Outrider, viens là. Je suis la chef. Hey! Quoi qu'il arrive, j'ai besoin de mon meilleur tireur sur le coup, au cas où ça foire. Je peux compter sur toi? J'attends vos ordres, capitaine. Nos armes n'ont pas tiré depuis près d'un siècle. Va donc voir Jacob pour qu'il vérifie ton équipement, et prépare-toi. On bouge dès qu'on aura localisé les sondes. Des questions? Silence sur Terre, j'imagine. C'est vraiment fini. Elle est morte, 15 ans après notre départ. Plus ou moins comme prévu. Le CA confirme qu'on ne reçoit rien depuis. Merde. J'ai grandi dans la misère. Sans argent, sans rien. J'ai tout perdu, vraiment. Bien avant la fin. Je me souciais pas vraiment de la fin du monde. Je pensais même pas vivre au-delà de 20 ans. Quoi qu'il en soit, je l'ai fait, j'ai survécu. Maintenant, je sais même pas pourquoi je suis ici. Si tout va bien, le jour viendra où tu laisseras tout ça derrière. C'est un nouveau départ. Tu pourrais fonder une famille, te faire une piole, et vieillir tranquille. Oh, c'est pas mon genre, Cap. Mon truc, c'est les armes, pas les gosses. Quelqu'un comme moi n'aura jamais sa place ici. Ça, c'était peut-être avant. Mais tu fais partie des élus. Tu construiras le futur. Ne le gâche pas. Vous en connaissez d'autres qui ont quitté la Terre, Cap ? Mon frère. Presque. Mais non. Ils l'ont mis en cryostase quand on évacuait LA, en espérant arrêter l'hémorragie. Mais il était trop tard. Oh, merde. Désolé de l'apprendre. J'ai pas encore vraiment eu le temps d'y penser. Et Sarah, alors ? Elle va bien ? Ouais. Sarah est là-haut. Il réveille son groupe dans 6 mois seulement, mais je peux attendre. J'ai oublié de te dire, au fait, avec tout ce qui s'est passé, mais... Ma fille est enceinte. C'est pour ça qu'elle a pu venir. D'une pierre deux coups, alors. Voilà pourquoi vous avez la forme depuis qu'on vous a réveillé. Ça suffit, Outrider. Oui, chef, grand-père chef. Je vais voir Jacob au champ de tir. Bien. On décolle dès qu'on retrouve les sondes, alors prépare-toi. Jacob. Oh là. Les personnages, ok. Charles. Les ennemis, pour l'instant, on ne l'a pas rencontré. Ça, c'est la planète. Histoire. Bah, au moins c'est bien, je trouve que la manière d'avoir organisé le truc, c'est bien fichu. J'ai toujours pas dégainé mon arme. Jacob. T'aider, boss. Ah, je connais ce regard. Qu'est-ce que tu penses de cet endroit, Jacob ? C'est parfait. Magnifique.
Combien de temps avant qu'on recouvre tout de béton et de plastoc, à ton avis? T'es toujours aussi cynique, malgré tout. Regarde donc cette vallée. Je sais pas, boss. On a quand même pas mal de pression, là. On vient de laisser une planète morte derrière nous. Alors si on excelle là... Peut-être pas. Bon, c'est peut-être la bonne, ouais. On va peut-être pouvoir arrêter de dormir avec un flingue sous l'oreiller, sans s'inquiéter de savoir si on va crever de faim ou non. Crois-moi, boss. Je rêve qu'on y arrive, tu peux pas savoir. Mais... les gens ne changent pas. Tu mises toujours sur le noir, hein? La maison gagne toujours. Ce dernier jour s'est étendu. J'ai bien cru qu'on allait tous y passer. On risque souvent nos vies. T'arrêtes pas d'y penser, toi aussi, hein? Je sais. C'est fou. Il y a déjà 80 ans. Comme si c'était hier. J'ai encore des petites douleurs et les oreilles qui sifflent à cause des coups de feu. Faut dire qu'ils étaient des milliers. À se marcher dessus, massacrant tout sur leur passage. Cherchant à faire tomber la rampe de lancement pour défoncer les portes de la navette. J'en ai fait des champs de bataille, mais ça, c'était l'anarchie. Écoute, c'était à eux ou à nous de partir de la planète. On a fait ce qu'on avait à faire. On fait ce qu'on a à faire. On s'aide les uns les autres. Ça ouais, pas le choix. Tu es la seule personne en vie que je connaisse à part le capitaine et Cuthbert. Je suis surtout le seul en vie qui mérite d'être connu. Je suis contente que tu aies pu embarquer, salopard. Moi aussi. Les armes maintenant. J'ai du matos à tester. Un peu d'entraînement aux cibles, boss, hein? C'est parti. Alors, mettez-vous à couvert derrière la caisse. Ça me plaît. Ouais, un nouveau joujou. On est sur le même gameplay que The Division. C'est toi qui vas le tester. Calme. Ça me va bien, en tout cas c'est une très bonne influence. Oh putain. Comment ? Ça va, arrête de fumer. Ouais. Là déjà je suis fan. Hein. Tu peux essayer ton arme de poing maintenant. Alors attends, il faut maintenir. Avec double pistolet. Hein. Je t'ai déjà dit que j'étais content d'être de ton côté. Vaut mieux. Ça fait du bien, hein? J'en ai loupé un. Merde! Terminer le test des armes. Parfait, t'as pas perdu la main. Trop fort. Ce matin j'étais sur The Division donc. J'irai. Ouais, vous tirez mieux après 80 ans de sommeil. Oula. Ça va, j'ai pas trop perdu. Outrider, demande à notre agent de l'ECA si Shira a trouvé des sondes. Parler à Shira. Je suis ici pour une raison hype. Cap. Salut, un bon discours que Maxwell prépare à fêter. Il s'en est mis à l'heure de la. Oh mon Dieu, c'est superbe. Oh, si tu avais vu ça, papa. Hé, hey. Vous êtes Shira? Excusez-moi. Cette planète, j'en viens pas. C'est très beau. Maintenant, on aimerait avoir Internet pour partager tout ça. C'est dans un but scientifique. Et puis, on aura un Internet qui fonctionne dans les 6 premiers mois. On est parti avec une sauvegarde. Je plaisante, Shira.
Des nouvelles de la sonde? On est en train de scanner. Je sais pas ce que je peux faire de plus, c'est que... Comment les signaux des sondes ont pu disparaître? Ouais, ce serait à cause d'interférences ou un truc comme ça, non? De l'espace, peut-être, mais pas d'ici. En tout cas, les premiers résultats étaient bons. On respire. Oui, mais pour que... Le CA autorise un 500 000 de personnes à atterrir, il nous faut les données des sondes pour savoir si c'est faisable. Et si ça ne l'est pas? Le CA a un plan B? Et si on parlait plutôt du paysage? Comment se passe la colonisation? Vous planifiez tout ça, non? Oui. On a commencé à démonter le moteur. C'est la première pièce à descendre. Le noyau nucléaire devrait fournir suffisamment de puissance pour lancer la suite. Et quand ferez-vous descendre les capsules des civils? Quelques semaines après, si tout va bien. D'abord, juste assez de monde et de ressources pour pouvoir lancer l'infrastructure. Eau, nourriture et logement. Ensuite, on sort les autres de leur sommeil, milliers par milliers, pour éviter les pénuries. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un jour nous vivions tous dans une belle grande ville. Le Flores va rester là-haut? Il a été construit en orbite. Il ne peut pas atterrir. Nous allons le garder là-haut jusqu'à ce que nous puissions voler à nouveau. Un jour, peut-être. Bon, je veux la vérité. Le plan de l'ECA est solide, selon vous? Mon père faisait partie de l'équipe qui a conçu ce plan. Je l'ai toujours connu travaillant sur ce projet. La plus grande entreprise de toute l'humanité. Ah, c'est comme ça que vous êtes là, alors. Pistonné par papa? Non. J'ai étudié l'ingénierie. Vécu en orbite. Conçu la structure. Vissé des rivets dans la coque. J'ai construit ce vaisseau. Donc vous méritez tout ça. Tant mieux pour vous. Non. C'était mon père. Mais pas comme vous le pensez. Il s'est sacrifié. Pour moi. Il est resté. Merde, je... Désolée. La gaffe, il aurait vraiment été fou de voir tout ça. Mais au final, c'est moi seule. C'est bizarre de ne connaître personne ici. Quand tout sera fini, passez donc nous voir. On n'est pas si méchants. Pourquoi pas, j'ai rien à perdre. Dites, c'est censé clignoter comme ça? Oh, mais c'est une sonde. Tanner, je crois qu'on a un signal, tout près. Excellent, Outrider. Va vite me trouver cette merde, qu'on puisse atterrir. Bien reçu. Hé, hey, c'est un moment historique. Il faut le documenter. Dans un bus scientifique, bien sûr. Excellent le selfie. Ok, parler à la demoiselle, c'est fait. Très bon timing. Attention, du mouvement à 9h. Un gros truc. À toutes les unités, restez vigilants. Gardez le périmètre et... Mais ça va le faire. Wow. Je vois des... Un genre... Ouais. Un lycan croisé avec un mammouth. Oh putain, ouais. On sait pas si la faune locale est végétarienne ici. Non. On appelle ça des vermifants. C'est pareil. Ah, s'ils décident de m'attaquer, je me fais des moules. Non, ils sont superbes. Je suis sûr qu'on peut les domestiquer pour l'agriculture. Je suis sûr qu'ils sont délicieux une fois dans l'assiette. Je peux pas courir. Une des hyènes bizarre fait bronzette sur le chemin. Vous pouvez peut-être prélever de l'ADN si vous vous approchez. C'est pas vraiment la priorité, mais
J'essaierai si je peux m'approcher sans l'effrayer. Impeccable. Ouais, ils ont vraiment calqué sur The Division. Encore une fois, elle s'est enfuie. Pour moi, c'est un très bon choix. Fantastique. Je vois une tempête se former au loin. Oh. Cap, j'ai trouvé la sonde. Elle a pris un bon choc, mais les données ont l'air intactes. Bien reçu. Je transmets au QG. Bon travail, Outrider. Attendez. Tanner, je capte un deuxième signal. Oh, c'est mort, il y a eu un souci de serveur et maintenant je suis couvert. La tonalité monte et descend. Elle devrait être stable, c'est étrange. Outrider Alpha à QG. Attendez avant de donner le feu vert. On a une autre sonde à analyser dans le coin. Négatif Alpha, votre travail est terminé. Bon sang. Écoutez Maxwell, on ne peut pas se permettre la moindre erreur. Donnez-nous du temps. Du temps? On va pas rater notre fenêtre orbitale. On a les données, j'envoie le feu vert. Continuez à chercher si vous voulez, je me fiche de ce que vous trouverez. Terminé. Outrider, rendez-vous au convoi. On va traquer ce signal et voir où ça nous mène. On va retourner par là. C'est quand même mieux quand on peut courir. Hein. C'est moi qui nous lit. Ah ouais, d'accord. Il y a... Ça c'est marché. Et ça c'est quoi? C'est ça qu'on aurait aimé dans Death Stranding. Pouvoir galoper vite. Alors. Cuthbert, du nouveau? Le signal de la sonde est faible, mais j'ai trouvé la source. Là-bas. J'espère que vous avez amené vos bottes. Jacob, même merde, planète différente. Ochivice. L'électronique répond plus. Les camions sont HS, on continue à pied. C'est pas de bol, hein. Soldat, ta mission première, c'est Shira, tu comprends? Allez en avant, ouvrez l'œil. Oh oh. T'as avalé ta salive de travers? Non, ça va, c'est rien. Oula, il est pas bien. Putain. Ramenez-le au vaisseau, prévenez les médecins! Qu'est-ce qui se passe? Recule, recule! Merde, fais chier. Tanner, je vois la sonde. J'ai du mouvement. Je vais voir. QGECA. On a un peu trouvé la deuxième sonde. Demande de procédure de quarantaine à la base. Merde, Tanner, je croyais vous avoir dit de pas parler. Ma réputation en jeu avec cet atterrissage, et vous n'avez aucun... Maxwell? Merde. Unité 2. Je peux pas mettre en jeu. Je
récupère notre sonde perdue. Et Skarsted ? Il a une sale gueule. Tu sais ce que c'est, cette merde noire ? Un genre de saprobionte ou de mycélium. Et vous préférez des échantillons. Oups. Contrôle. Okay. Tu veux jouer ? Viens. Capitaine, j'ai été attaqué par une de ces hyènes vaches. Un truc l'a rendu folle, j'ai dû la battre. Faites gaffe. Bien reçu, Outrider. Trouvez vite la sonde, on n'a plus le temps. Peut-être pas être le seul loup-garou à vouloir me contraindre. Voilà la sonde. Tanner, j'y suis. Bien joué. Prends les disques et tire-toi vite. Attendez. C'est seulement un relais. Tanner ? Le signal ne part pas de la sonde. C'est plus loin que notre zone de recherche, autre part sur la planète. C'est impossible. Il n'y a personne d'autre. Prends le disque dur, on analysera tout ça à la base. Compris. Ah ! Merde ! Les circuits ont grillé, Tanner. Donne-nous la fréquence. Oh là là, qu'est-ce qui se passe la encore ? La fréquence capsule est 9, 7, point... Tanner ? Vous me recevez ? Merde. Tanner ? Tanner ? Je commence à voir des trucs vraiment bizarres ici. Mon dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Il faut y aller! On y va! Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. On est super bien accueillis, hein. Blessé grave,
contamination possible. Préparez une quarantaine à la base. Vous recevez ? Bon. Maxwell, qu'est-ce que c'est que ça ? À votre avis ? Sergent-major, chef, nous devons suivre la procédure de quarantaine et repousser l'atterrissage. Tous les rapports qu'on nous avait faits sur cette planète, ils étaient faux. Il y a une espèce d'anomalie. Si on atterrit maintenant, tout le monde mourra. L'atterrissage se fera comme prévu, c'est trop tard maintenant. On n'a nulle part où aller. Nous aussi, on va pas se sentir bien. Tanner, ici! Il nous faut de l'aide! Faut des médecins. Soignez-les! Vite! Non, arrêtez! Ils sont contaminés. On les enferme. C'est un ordre. Vous êtes vraiment une belle raclure. Ouvrez les yeux! Ces hommes et ces femmes ont besoin d'une assistance médicale. Alors bougez-vous le fion et faites le bon choix, ou alors je vais être obligé... Non! Bordel de merde. Contenez-les. Immédiatement. Je l'aimais bien, lui. Tous ces putains de corps. Ça sent la mutinerie, là. Maxwell, il a pété les plombs. Je m'occupe des blessés. Repoussez-les. Jacob, couvrez-moi. Je vais chercher Maxwell. Compris. Ouais. Ça. La colonisation est trop risquée. Il faut prévenir le Florès. C'est vous les Outriders qui avez causé cette menace. Mis en danger la mission. Connerie. Changer d'arme. Ah, il a perdu un peu quelque chose, lui. Attention. Maxwell a créé un blocus. C'est marrant, le... Il doit se mettre à couvert et pas... Il doit mourir. Attendez, Maxwell est le seul qui puisse arrêter l'atterrissage. Vous devez lui faire retrouver la raison. Ah d'accord, ouais. Si le jeu veut pas qu'on passe à un endroit, c'est pareil, si le jeu veut pas qu'on se mette à couvert, bon c'est certainement parce que c'est une démo, mais bon là ça fonctionne bien. Oula oula, oh putain. En tout cas, c'est efficace, hein. Alors attends, mêlée d'attaque. Ok, CF. Bon, je mettrai peut-être une autre touche à pas. Oh putain! Oh là 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 là! Oh putain! Par contre, ouais, le. Pour sortir de la. De la planque, ça réagit pas comme. Comme je voudrais, bon, c'est pas grave. Tuez les traîtres! Ne les laissez pas s'approcher! Putain! Fumez-le, cette espèce de bâtard! Oh bah non. Crève enfoiré. Arrêtez vos conneries! Appelez-les, maintenant! Repoussez ce putain d'atterrissage! C'est trop tard! Personne.
vous faites? Je vous remets en cryostase en attendant que le labo puisse vous sauver. Dites pas n'importe quoi, je vais mourir. Je suis désolée, le réconfort, c'est pas mon truc. Quand les choses se terminent-elles vraiment? Était-ce quand vous êtes parti de la Terre? Était-ce quand vous avez vu le premier vaisseau exploser et brûler? Était-ce en voyant les autres Outriders tomber à vos pieds? Était-ce de vous voir mourir? Mais Enoch vous réserve des surprises, Outriders. Comme je dis toujours, il faut attendre pour connaître la fin. Alors la question c'est combien de temps il s'est passé entre le moment où elle était dans le frigo et le moment où on sort. Vous, de quelle année êtes-vous? Année, quelle année? C'est votre capsule? Où étaient les nœuds de liaison? Il faut y aller, ils arrivent. On ne peut pas les laisser là, ce sont des Outriders. C'est pas sur eux qu'on est là. Mais, désolé. Ça a bien changé, hein. Bouge pas, ordure. Capitaine, encore un déchet. Outrider, ton espèce est pas morte. Morte? Détache-moi, tu vas voir. L'anomalie arrive. On va voir si t'as de bonnes jambes. Dans les tranchées, avec les autres. Attention, attention. Allez, bouge-toi le cul. Les tempêtes approchent. Allez. Je suis où, bordel? Ferme ta putain de gueule. Soldat, t'es de l'OCA aussi. Quand on sera dans les tranchées, il faut qu'on reste ensemble si on veut survivre, ok? Survivre à quoi? À la tempête qui va nous griller le cul. Et vous deux, je vous ai dit de fermer vos gueules. On y est, allez. Reculez, reculez. Qu'est-ce qui se passe encore? Ils ont un altéré. Ils massacrent nos gars. Cassez-vous d'ici. La tempête arrive. L'altéré s'en fout de la tempête. Merde, merde. Passe par l'arrière, par la prison. Ça va être très chaud. On va les jeter ici. Après. Et voler la vedette au capitaine. C'est pas bien. Attention. Je vois rien. Au secours. Non. Ah, ça a vraiment changé, hein. Il était blessé! Ouais, c'est mieux comme ça! Il frappe plus gay! Voilà! Go, go, go! Combien? Ça fait combien de temps? Quoi? Cette guerre, ça fait combien de temps? Qui sait? Je m'en fous, j'étais pas né! Mais c'est pas possible, putain! On se croirait presque dans l'ambiance de Terminator, maintenant, avec le ciel qui est très sombre. Tenez bon, on y est presque! Où ça? Vous nous emmenez où, là? Je suis pas censé être... C'est quoi ton problème, bordel? Tu viens de te réveiller ou quoi? Cryostase, je... Eh ben, je vais te débriefer, tu vas voir. Ce paradis que vous nous aviez promis, tu sais ce qu'on a eu, plutôt? Des putains de tempêtes aliens! Pas d'abri, pas de bouffe, virés comme des exilés! Pendant que le CA s'engraissait de leur bunker... Et des conneries! On avait juste plus d'électronique! On aurait pu vous laisser pourrir dans vos capsules! Mais on l'a pas fait! On vous a sauvé, sale bâtard! Oh! Combien de fois je t'ai dit de la boucler, bordel? Oh, Eric, bouchez-vous bien le nez! Il rigole pas. Hein. Bienvenue dans la vallée de la mort! Oula!
Alors, en termes d'ambiance, ça envoie quand même. Hein. Là maintenant, c'est plutôt Mad Max. Oh. Commence la tempête. Allez. Oh. Oh bah non, je peux pas mourir. C'est beaucoup de gens qui meurent en peu de temps là. Alors à ce moment-là du jeu, on nous propose de choisir parmi 4 catégories. Alors, technomage, longue portée soutien gadget, pyromage, moyenne portée lanceur de sort de feu, illusionniste, courte portée, attaque et fuit, espace-temps, telluriste, courte portée, tank, défendez votre position. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette première partie de découverte de cette démo. Alors moi j'aime beaucoup, j'ai bien aimé l'ambiance du début, alors même si c'est parti complètement en couille sur la suite, franchement ils ont créé une ambiance très sympa, j'aime beaucoup le gameplay. Alors bon, j'ai fait référence à The Division, mais le jeu fait également énormément penser à Gear of War. Franchement pour l'instant c'est très sympa et ça donne énormément envie. Bon, en tout cas on va se retrouver dans une seconde vidéo pour découvrir la suite, et bien sûr on va choisir parmi l'une des quatre voies.